Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec guitare-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, on va voir le morceau Taylor Swift, Shake It Off. On va voir les accords et les trois rythmiques pour bien faire ce morceau. Comme d'habitude, il y a la version démo pour voir à quoi ça ressemble. Et bien c'est parti, on commence par quoi? Par les accords. Pour ce morceau, on va avoir que trois accords super faciles. On a la mineur, un Do majeur et un Sol majeur. Si vous savez les faire en barré, il vaut mieux les faire en barré. Voilà, mais on peut le faire aussi en accord ouvert. On va voir surtout la rythmique. C'est parti pour la première rythmique. Cette première rythmique va se jouer en 16 et on va jouer sur les coups suivants. Le 2, le 3 et le 5. Et ensuite, on va voir le 8, le 9 et le 11. 13, 14, 15, 16, ça va être juste pour faire des gratte-gratte. Donc, il va falloir faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on fait la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et après, le 13, 14, 15, 16, en plus, c'est juste pour gratouiller un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur à la mineure. Voilà, c'est ça qu'il va falloir essayer d'obtenir. Sauf que le 13, 14, 15, 16, avec la main gauche, on va bloquer les cordes pour que ça sonne pas. Donc ça va faire. Et c'est encore mieux si on entend que les coups qui sont entourés, si les autres on les entend pas. Alors c'est sûr, avec les barrés, c'est beaucoup plus simple. On va soulever la main à chaque fois qu'on veut éviter que ça sonne, tout simplement. Voilà, et ben, on a vu la première rythmique, maintenant on va voir la deuxième. La deuxième rythmique, ça va être la suivante. On va avoir deux possibilités, soit on fait basse 3, 6, 7 ou basse 3, 6, 7, 8. Et ce que je vous conseille, c'est d'alterner. Donc c'est faire d'abord la première, puis la deuxième. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, de faire l'une puis l'autre, et après de changer d'accord. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Voilà, cette rythmique, elle est à faire pour la deuxième partie qui va être le pré-refrain ou la deuxième partie du couplet. Et bien maintenant, on va voir le refrain. Le refrain, on va compter ça en 8 et il va falloir faire que les 3. On va tout gratter et on va faire les accents sur les 3, sur les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Donc sur la mineure. Do. Sol. Et au deuxième sol, on va pas faire la même rythmique, on va jouer le 1, le 3, le 7 et le 9 en accent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je fais la totale. Et là, le deuxième sol. Voilà. Et ben, on a vu toutes les rythmiques. Regardez la démo pour voir comment construire tout ça pour le morceau. Et ben, on a vu tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. C'est à vous, travaillez bien. Ciao! Thank you.